Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 19e épisode en Let's Play Live sur Twitch pour Metroid Dread. Dans l'épisode précédent... Dans l'épisode précédent, on s'est pas mal baladé. On a récupéré la toupie, l'attaque vrille. Je sais même plus, enfin voilà, on a récupéré ça je crois. Après on s'est baladé, on a récupéré divers items à gauche et à droite. Et là on va continuer d'explorer les différentes zones. On essaie de récupérer des items, alors principalement je récupère des missiles pour le moment. C'est tellement simple de tuer les monstres comme ça. C'est-à-dire qu'avant on galérait. Oh. Allez. On va faire une méthode traditionnelle, c'est mieux quand même. Alors là ouais je sais pas vraiment où il faut que j'aille, alors ça va nous permettre de nous balader en même temps. Il y a tellement de zones qui nous sont ouvertes maintenant que j'ai envie d'explorer le mieux possible les premières zones pour ne rien oublier. Ouais, l'armure en violette comme ça est pas mal. Mais alors des fois il y a des objets que je peux pas récupérer, enfin que j'arrive pas à récupérer parce que je suis pas très bon, que je maîtrise mal des capacités. Moi il faut que je continue de grimper pour faire ce que je voulais faire. Le chemin vert. Par exemple, là ici, je me dis, il n'y a vraiment aucun objet, donc c'est plutôt louche. Enfin, aussi là, il y avait un petit quart d'énergie. Donc, il y a peut-être des trucs de cachés que j'ai pas récupéré. Désolé. Une petite sauvegarde quand même. Ça peut toujours servir. Mais ouais, dans l'ensemble, le jeu commence à être vraiment stylé comme il se doit. Ouais, sérieux, j'avais oublié toutes ces...
Ah, la bébête qui nous a attaqué là dans le truc, elle était là avant. Des missiles qui sont là et là en haut il doit y avoir une réserve d'énergie. Pareil, je sais pas comment le faire pour récupérer, mais tant pis, c'est juste ce demi-missile. On va essayer de récupérer là-haut le truc de vie. Truc de vie là, c'est pareil, j'arriverai pas à le récupérer parce qu'il faut que je garde le pouvoir de course là, et à moins que j'ai dit non, ça va être trop court. En fait, par ici, je peux pas récupérer grand chose. Là, peut-être par là, il y a peut-être un truc. Ah, sinon on va aller vers Qataris. Ah, je suis déçu parce que... Ah, quoique là il y a une grande réserve de missiles. On va peut-être pouvoir aller la chercher. Ouais, je suis déçu parce que je pensais pouvoir récupérer quelques trucs et au final je récupère pas grand chose. Je pense que il me faut pareil là. Ah, peut-être plus. Oui, là on avait tout cassé. Je suis pas sûr de la récupérer non plus ça.
prix pour ça. Là je peux pas bouger en plus. Petit monsieur. Hop 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 alors. Hop là, nice. Manquer vraiment un pouvoir là-dessus. Ça c'est vraiment le truc un petit peu relou. Quand il manque un petit détail. J'ai utilisé pas mal de missiles. Ils veulent que j'ai assez d'élan pour la course là. Je sais pas trop comment faire, c'est pas très grave. Donc par où aller maintenant? Au final j'aurais pas été très performant pour le moment pour récupérer des items. Ok, bah on va remonter. Il y a des zones, ça fait tellement longtemps qu'on les a explorées. Donc ok, il y a vraiment rien. Je me suis dit, tiens, il y a un truc planqué sous la lave. Y a rien. Ça aurait été vicieux hein, mais j'aurais quand même pu mettre un petit truc. Ok, trois quarts d'un module de vie. Là il manque tellement d'objets, bon déjà il y en a trois que j'arriverai pas à récupérer. Hop.
De toute façon, maintenant que je peux aller dans la lave, c'est moins gênant. On va aller voir ce qu'il y a en dessous. Ok, bon là ça c'était pas méchant comme zone. ,55, donc j'ai raté énormément de choses, hormis les 3 que j'ai pas récupéré. Par là je pense qu'il doit y avoir pas mal de trucs. Parce que là par exemple on voit là il y a 3 trucs. Puis ici j'aurai rien par exemple aussi. Ah peut-être que là je peux peut-être bouger la porte. On va aller voir. Par là il y a peut-être des trucs à récupérer effectivement. Tout ça pour ça? Ok. Ok, ok, ok. Donc ça c'est l'inverse. Non mais de toute façon moi faut que j'aille. Je voulais aller à Cataris, donc ça me va très bien de passer par là. Au final, je me suis dit c'est pas la bonne route, mais si c'est la route dans laquelle je veux aller. Soigner un petit peu. Après c'est cool, on approche des 200 missiles, ce qui est plutôt pas mal. Allez, un petit tour à Cataris. Je
Je pense que c'est une des zones qu'on a le moins explorées. Après c'est cool, hein, on aura bien avancé ce soir au niveau des boss et tout. Donc Qataris. Hop. C'est la super vitesse et moi je suis nul à ça. Toujours ça qui est dommage quand on maîtrise pas une capacité, toujours un peu compliqué. Ouais, ce que j'espère c'est juste que ce ne sont pas des trucs de vie qui me manquent. On va aller par là. Par où il faut que je passe? Il faut que je fasse tout le tour. Il faut que je fasse tout le tour par le vert. D'ailleurs, là il y a un chemin avec des tuyaux. On va en profiter quand on ira reprendre sauvegarde. Alors, le petit tuyau qui est en face, donc ça va nous amener par là probablement, je sais pas, on va voir. C'est juste ça. Y'a rien d'autre entre temps. Forcément c'est le pouvoir que j'ai pas ça. Faut que je remonte juste au point de sauvegarde juste avant. Ah ça c'est le côté frustrant de se dire tiens on trouve des trucs mais on n'a pas le pouvoir pour y accéder.
est un peu relou ce truc là. Ok, réussi. Ça j'ai hâte de pouvoir l'utiliser parce que je sais pas combien j'en ai, je crois qu'on est 4. Je sais pas à quel moment je pourrais l'utiliser mais je pense que ça devrait pas tarder, de toute façon il ne manque plus beaucoup de pouvoir donc... aller par là. Descendre tout de suite. Allez, des missiles en plus. En tout cas, niveau item, on en aura ramassé pas mal. Ça c'est plutôt cool. Pareil, 42% là-dedans. Là il reste une sacrée partie aussi à explorer. Comment il faudrait que je revienne en arrière, que je redescende pour aller explorer par là. Je suis passé par le rouge. Non. Oui, par le rouge. Thank you.
passe par le dessus. On va y arriver. Tac tac tac. Par là. Ok, il y a un téléporteur ici. Je sais pas où est-ce qu'il m'emmène, mais il y a un téléporteur. Portail bleu. Allons-y. Allons-y, allons-y. Comme ça, je vais pouvoir ouvrir la porte. Au moins on l'aura activé. Si jamais on veut revenir ici, on a plusieurs possibilités. Ok. Ouais, en fait. Ah, quoique, non, j'allais dire. On aurait pu débloquer depuis longtemps la zone, tout ça avec le. Avec l'attaque vrille, mais non. Mais non, on pouvait pas parce que on pouvait pas aller dans la lave, tout simplement. Par contre, ouais, il nous reste encore énormément de choses à explorer à Kataris, ici, toute cette zone là. Alors là, on va aller vite fait ici. On va essayer de ouais, d'avancer un petit poil.
faire 5 petites minutes de plus et puis ce sera pas mal pour ce soir. On va aller dans la zone au-dessus. Je peux faire ça, j'ai du temps. GG Baku pour ta montée en niveau. Merci, merci d'être là encore une fois. Ah, c'est fermé. La porte est fermée. Je ne peux pas passer par là. J'avais pas prévu ça. Bon, du coup, on va remonter là à l'autre point de sauvegarde et on va essayer d'explorer par là le petit chemin. J'avais pas prévu ça, j'avais pas fait attention. Au-dessus. Chemin vert, enfin chemin bleu, puis on descend, point de sauvegarde. Pareil, là il y a un chemin que j'ai pas exploré. Moi, faut que j'en monte. Ce que je voulais faire, c'était remonter. Caché là-dedans, c'est pas possible. Pas mis une zone comme ça. Ok. Tout ça juste pour domicile, c'est un peu frustrant quand même, mais c'est pas grave. Bon, on aura déjà récupéré pas mal d'objets pour ce soir les amis. Il nous reste pas mal de zones explorées dans Qataris. On a quand même 165 missiles. Il y aura toute la partie sud à explorer. J'aimerais bien récupérer un maximum d'objets dans ces zones-là. Par exemple, ce truc-là, j'aimerais bien le récupérer. Tout ça aussi, enfin par là, des trucs. Au moins débloquer la carte, même si on récupère pas tout. Pareil, là, il y a un petit chemin. On verra ça dans un prochain épisode YouTube, en tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si on aura récupéré que des objets. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Metroid Dread, et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!